les commandements et les statuts. Oyo esila ki kotia mandanga pela moko malakope bi beko na nzambe. Et celle qui était ouverte. Mpe oyo izaki ya kofungwama. Tu as vu une lettre scellée. Izaki na mokana moko motia maki ndanga. Vous suivez? Ozolanda. Maintenant, prenons une autre écriture. Sika to kamata likoy mosu. Verset 14. Zomna mine. Ainsi parle l'Éternel des armées, toujours d'Arbi. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Nzambe na Israël. Prends ces lettres. Kamata ni mikanda miye. Cette lettre d'achat. Mokanda o yali siko ya kulokusomba. Celle qui est scellée. Oyo etia mindanga. Il y a une lettre d'achat, elle est scellée. Et il y a une autre lettre qui n'est pas d'achat, qui est ouverte. Et mets-les dans un vase de terre. Afin qu'elle se conserve beaucoup de jours. Frère, il faut connaître que vous aussi, chacun de nous, est un vase de terre. Et la parole est écrite dans vos cœurs comme dans un livre. Et par le Saint-Esprit, Dieu vient sceller cette parole en vous. Le Saint-Esprit ne scelle rien d'autre que la parole. Si tu n'as pas reçu la parole de vérité, l'esprit de vérité ne scellera jamais ton âme. Il faut qu'il vienne trouver une lettre écrite là-bas. Alors il scelle la lettre là-bas. Jusqu'au jour de la rédemption. C'est pourquoi il faut écouter la parole. Il faut croire à la parole. Il faut obéir à la parole. Une autre écriture. Ézéchiel chapitre 2. Ézéchiel est mon caponami balé. Verset 9 à 10. Satan ali boaki non jomi. Écoutez ce qu'il dit. Boyokani oyo elobami. Ézéchiel 2. Ézéchiel est mon caponami balé. Verset 9 à 10. Liboaki non jomi. Il est écrit. Et komami. Je regardais. Nazaki kota là. Et voici, il maintenait, une main était tendue vers moi. Elle tenait un livre en rouleau. Le livre qui était sur cette source, ce n'était pas un livre comme ça. C'était un livre en rouleau. C'était comme ça. Et il était scellé dessous. Il le déploya devant moi. Il était écrit en dedans et en dehors. Des lamentations, des plaintes et des gémissements. Il était écrit. Ce livre qu'Ézéchiel avait vu, c'est le même que Jean avait vu là-bas. Dans l'Apocalypse chapitre 5. Na emoni se limoka pona mitano. C'est le même livre. Il a beaucoup ka moko wana. Maintenant écoutez. C'est ka boyoko. Quand vous prenez dans Ésaïe. Tango bokamati mokana na Yesaya. Ésaïe. Yesaya. Verset chapitre 29. Toko iba na libwa. Verset 11 à 12. Zomi na moko kino jomi na mibale. Ésaïe 29 11 à 12. Yesa tu mena libwa zomi na moko kino zomi na mibale. Toute la révélation et mon isolignance et pour vous comme le mot des livres scellé ou cacheté. Lokola maloba ya buku moko ye bombama. Voici la révélation dont on parle. Botala et mon isoloba kolobela yango yango. Ces documents, mon canon est bon. C'est la révélation complète de Jésus-Christ. Ezali et mon isolia mo bimba ya Jésus-Christ. Mais Kasi. C'est un livre qui est scellé. Écoutez. Yokani. Toute la révélation est pour vous. Et moi, c'est mon union, comme le mot d'un livre scellé. Que l'on donne à un homme qui sait lire. En disant, lis donc cela. Et qui répond, je ne l'ai puis. Car il est scellé. Bombami.
ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire. En disant, lis donc cela. Et qui répond, je ne sais pas lire. Donc, ici, dans ces documents, ce n'est pas une affaire d'intellectuel ou de non-lettrés, des illettrés. Et les illettrés. Et les lettrés. Pour comprendre le contenu, il leur faut la révélation. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup étudié que tu comprendras mieux la parole. Même si tu as beaucoup étudié, Dieu doit t'ouvrir l'esprit afin que tu comprennes les Écritures. Sinon tu ne comprendras pas. Ceux qui t'ont construit sur la terre. C'est pourquoi vous voyez que Dieu donne même des ministères à ceux qui n'ont pas beaucoup étudié. Beaucoup moins intéressant ma copine ça l'auto ma côté là ça on m'a baillé baillé colité. Vous voyez quelqu'un qui parle un français décousu. Beaucoup moins la moto moko koloba le poto moko etengama. Mais Dieu lui donne un grand don. Nous avons appelé ça l'ikabo monène. Frère Dieu est souverain. Nous avons appelé ça l'ikabo lingi. Vous allez voir une sœur qui a beaucoup étudié, mais elle s'achoppe la parole. Oh, comment ne commence yo attendre mes cas si ceux qui m'accompagnent le bas bêtis les bakounam. Il y a une autre sœur qui sait à peine écrire son nom. Ndeko, moi si mon soso n'a pas signé à zoko komakombo na. Mais comprend correctement la parole. Nde à zoko soso le bas nzambi malamu malamu. Dieu fait grâce à qui il veut. Ndeko, nzambi akosaka ngoluna motonani oyali. Et je vous dis, Dieu nous a fait grâce au temps de là. Même si nous attendons basali biso ngoluna tango na suka. Fait la venue de William Branham est une grâce. Ndeko boye. Il faut le reconnaître. Un primérien. Quatrième année primaire. Mais Dieu de la met dans les sphères inconnues. Où aucun théologien ne pouvait arriver. Et il enseignait même les théologiens. Le livre là, c'était des grands théologiens. Mais il s'asseyait là-bas. William Branham l'a enseigné la parole. Frère, l'élévation vient de l'Éternel. C'est Dieu qui élève, frère. Et quand vous lisez ce message, vous allez voir que vous croyez que Branham avait beaucoup étudié. Frère, la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles pour confondre les fortes. Oui, frère. Dieu a choisi un peuple là qui ressemble à des balayures pour faire de ce peuple là son épouse. Frère, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ça, il faut le témoigner. Et ne crois pas que c'est par tes mérites que Dieu a choisi. Raison pour laquelle, frère, il ne faut pas penser que tu es quelque chose. Il ne faut pas dire que tu es spécial. Ici, il n'y a qu'une seule personne qui est spéciale, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mon arakozali est un instrument inutile. Trouve-toi que dit que tu es un instrument inutile. Alors Dieu peut t'utiliser. Natangwanzambe akosali laye. Dieu résiste aux orgueilleux. Mais Dieu fait grâce aux hommes. Et l'humilité, c'est donner raison à la parole. C'est vrai. Un livre scellé. Un livre scellé. On donne à celui qui sait lire. Il dit, je ne peux pas. Parce qu'il est scellé. On donne à un illettré. Celui qui ne sait pas lire. Il dit, je ne sais pas lire. Maintenant, finalement, qui lira ce livre-là? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui peut lire pour nous, frère.
Frère, celui qui a scellé ce livre-là, c'est le même qui peut vous révéler ce livre-là. Voilà pourquoi, pour l'ouverture des sceaux, c'est Jésus lui-même qui est descendu sous la forme de l'ange du Seigneur. Quand Branham est retourné à Jeffersonville, Dango Branham a zongaki na Jeffersonville, à partir du 20 outa le 20 mars, parce qu'il est 19 mars, outa le 19 mars, parce qu'il est 17 il a prêché Dieu caché et révélé dans la simplicité. Oh, le 17 mars atia ki nzambo ya bomba mipe abimonise kata bo pete. Le 18 il a prêché la brèche entre les sept âges de l'église et les sept sceaux. Le 18 atia ki penda liluso katna bikeke sa mon église ape bilembo sam. Et là où il a montré que il fallait un parent rédempteur. Kuna ndia talisa ki tesinga ki tata mosiko to ndeko mosiko le mokaza. À partir du 19. Outa le 19. Il a dit à l'église, demain on va parler sur les premiers sceaux. Alors baki na église était lobi lokoya to koloba likona elembo ali boso. Il dit ça par la foi. Azol bango na nzaka kondima. Lui-même ne connaissait pas les premiers sceaux. Yemo kayebaki elembo ali boso te. Mais il dit seulement par la foi. Alors bika na nzaka kondima. Parce que Dieu lui avait déjà dit. Bonza masira ki koloba na. Retourne à Jeffersonville. Jonga na Jeffersonville. Pour l'ouverture de ces sceaux. Bonna bo fungola mina bilembo sa. Il savait que le Dieu qui l'a envoyé là-bas. Ayebaki tezamba tina ki. Descendra pour révéler les sceaux. Ako kita pona ko fungola bilembo. Frère, quand Dieu vous dit quelque chose, croyez. Ndeko tango nzamba lobi no lika mosongolo ndi. Et surtout obéissez. Mingi koleka tosani. Et chaque jour, bongo mokoro moko na moko. Dans la cabane où il était. Kata mwanda ko mokio azalaki. Il s'asseyait là-bas. Alaki ko fanda wana. En prière. Na libondeli. Et subitement, bongo na poisa. Moi mon pepe bandi wana. Il voit la lumière. Amoni pole. La colonne de feu. Li konji na moto. Et le descend. Et kiti. Pouf. Mbala moko. Un homme. D'à peu près 90 kilos. Avec ses cheveux qui tombaient sur les épaules. Et cet homme-là, il avait un air très sérieux. Il dit, je suis venu pour t'ouvrir le premier sceau. Tu vois le premier sceau là-bas. Quand on a parlé du cheval blanc et un cavalier qui le maintient. Le cavalier là, c'est l'antichrist. Dans sa première phase, la couleur blanche là, c'est l'innocence. Il a commencé de façon innocente. Il remarquait, il partait en vainqueur et pour vaincre. Et il avait un arc sans flèche parce que c'était un bluffeur, un farceur, qui vous donne l'impression qu'il a des flèches. Mais en réalité, il n'en a pas. Parce qu'il a déjà été vaincu. Oh, frère Branham avant, il avait dit que celui qui montait sur le cheval blanc, c'est le Saint-Esprit. Mon sac, il a mis des poteaux. Le prophète est allé à côté. Il fallait que le révélateur descende. Frère, c'est Dieu seul qui révèle la parole. Et le Fils me révèle à qui il veut. Et il dit, quand la révélation de ce sceau est venue, alors, tango, et moi, c'est ce que j'avais dit auparavant, on a le baka kala kala. C'était des milliers de kilomètres à côté. C'est pour vous faire. N'interprétez pas la parole avec l'intellect. Non, prêchez selon la révélation. Et aujourd'hui, frère, on n'a plus le temps de se débrouiller. La parole a été révélée. Prenons ce qui a été révélé. Et donnons ça au peuple. Frère, ne vous débrouillez pas. Tristan. Tristan, ne te débrouille pas. Prends ce qui a été révélé, donne-le au peuple. On n'a pas le temps de se débrouiller. Oh, la banque du ciel. Oh, et bombe le top banque à Lola. Laissez cette histoire. Tika bilokwana, tika bilokwana. Oh, mari de nuit. Oh, mobale oya butu. Femme de nuit. Mwasi ya butu. Oh non, les sorciers l'ont bouffé. Oh, te bandoki baliye. Laissez ces histoires. Bon, tika bilokwana.
ça se trouve nulle part dans la parole révélée. Frère, revenons à la parole révélée. À la simplicité de l'évangile. Apocalypse chapitre 5, verset 1 à 5. Il est écrit. Et comment Apocalypse 5, 1 à 5. Et mon sélimitano t'attend les bosses qui nomita non. Puis je vis. Si malangona monaki. Dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Na loboka mobali na moto afana kili kulkona ngbende na bokonzi. Un livre. Beaucoup moko. Écrit. Oye komami. En dedans. Na kati. Et en dedans. Ce livre, ce n'est pas la Bible. Ndeko bukoyo. Eze bibili a te. Non, non. Te. C'est le titre de propriété. Ezali mokana lopango. Dans lequel se trouvaient aussi des mystères cachés que Dieu a révélés au temps de la fin. Isaki pena ma bomba mio et ma bomba ma onza ma fungolito a kukole libiso na tango na suka. Mais le titre est là des propriétés. Kasi buku alo pango wana. Frère Branham ne l'a jamais tenu. Ndeko mama tika ko simba yango te. Même quand Dieu venait lui révéler les choses, Dieu ne venait pas avec un livre. Pas. Mais quand Dieu lui révélait les choses, il retournait dans la Bible. Parce que ce mystère-là écrit se trouve dans la Bible. Mais non, non! Se trouve dans les titres là des propriétés qui jusqu'à aujourd'hui se trouve dans la main droite de celui qui est assis sur le trône. Et l'agneau est en train de faire l'intercession jusqu'au jour le dernier élu entrera. Est-ce que vous comprenez? Et jusqu'à présent, l'agneau se tient entre le trône et celui qui est assis sur le trône là-bas. Quand l'intercession sera terminée et que le dernier racheté sera entré, l'agneau se lèvera. Il prendra les livres entre les mains de celui qui est assis sur le trône. Et quand il prendra ça, il descendra. À ce moment-là, la rédemption éternelle. Mais jusque ce soir, la rédemption est en cours. Les tonneristes sont ces nuits. Il dit, l'agneau a pris les livres, frère. Alors, la rédemption est terminée. C'est pourquoi ils disent que, frère, la rédemption est terminée, frère. Nous sommes déjà dans les milléniaux. D'autres ont déjà dépassé les milléniaux, mais ils sont dans l'éternité. Je vous dis jusque ce soir, personne n'est dans les milléniaux. Nous sommes encore à la fin du temps de la fin. Attends. Dans l'enlèvement. Et jusqu'à ce soir, malgré que la partie parole du livre, la partie mystère du livre a été révélée en mars 63, mais la partie détenant nos noms. L'agneau continue à intercéder jusqu'à ce que le dernier racheté entrera. Jésus est notre souverain sacrificateur. Il intercède pour nous. C'est dans Jean 17 la prière qu'il avait faite là-bas. C'est la prière sacerdotale. Cette prière là de Jean 17 nous couvre de la terre jusque dans la gloire. Grâce à cette prière là nous irons dans l'enlèvement. C'est une prière que Dieu a exaucée. Père, Tata, je veux que ce que tu m'as donné soit aussi avec moi afin qu'il voie ta gloire, la gloire que tu m'as donnée.
Et je veux que cette loi que tu m'as donnée, que tu puisses aussi leur donner. Frère, nous sommes en train de partir. Et je vous dis, nous aurons le corps glorifié. Nous brillerons. Nous brillerons. Et nous serons dans la gloire. Là où il est maintenant, nous y serons aussi, frère. Il a fait la prière en tant que souverain sacrificateur. Et cette prière a été exaucée. C'est vrai. Solo. Écoutez. Puis je vis dans la main droite. Si mon amour n'a pas quoi m'emballer. De celui qui est assis sur le trône. Il y a mon fan de l'Ikonangbende. Qui est assis sur le trône? Non, la fan de l'Ikonangbende. C'est pas l'agneau. Il a pas tête. C'est Dieu. Ils ont zambé. J'ai dit qu'il y a deux personnes en divinité. Natangwana obi te bato bazali mi balekata bonzambe. Il faut comprendre que l'agneau est en train d'intercéder encore. C'est-à-dire, l'événement de l'ouverture de cette sauve se passe au temps de la grâce. Se passe au temps de la grâce. Parce que vous allez remarquer, Abraham 5. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est dit d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Personne dans les ciels. C'est-à-dire, même Michael était incapable. Michael, Gabriel incapable. Les séraphins incapables. Les chérubins incapables. C'est pourquoi ce 28 février 103, Dieu n'a pas envoyé les chérubins seuls. Le Seigneur lui-même était là-dedans. Tu n'as pas envoyé le 28 février 63. Pourquoi? Aucun chérubin ne peut ouvrir le livre. Aucun séraphin. Aucun ange. Il n'y a que le puissant vainqueur qui peut le faire. Kaka, molongi na nguya nde akoko sale yango. Écoutez. Yokani. Il dit. Alobi. Qui est dit d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Nani abongi ko fungola buku pe ko buka bilembo na yango. Et personne dans le ciel. Moto moko ta joma kina lola. Ni sur la terre. Atana sewa. Ni sous la terre. Atana sena babelete. Ne peut ouvrir le livre ni le regarder. Akoka ko fungola buku to pe ko tala yango. Kaka ko fungola te mais même ko tala. Pas seulement l'ouvrir mais le regarder également. Incapable. Moto moko azaki na moko kiona te. Parce que tous avaient péché. Et la Bible dit, Bible lobi, tous ont péché basso, basso, ki, et sont privés de la gloire. Pe, ba, pime, la, mina, kembo. Depuis Adam, Uta, Adam jusqu'au dernier, kino, moto, na, tous de péché. Basso, basso, tous sont de péché. Basso, to, ki, basso, mais aujourd'hui, bongo, lelo, nous sommes de péché. To, ali, basso, ki, sauvés par la grâce. O, ba, big, samina, ngolu. C'est cette grâce-là qui a fait de nous des saints. Ngoluande jalisibiso basantu. Des justes. Bayenge bene. C'est vrai. Solo. Mais personne. De moto mon côté. Aucun prophète. Mosakoli mon côté. Même frère Branham était incapable. Atande ko bama zanga ki makoki. Est-ce que vous suivez? Bolanda. Même frère Branham était incapable. Atande ko bama zaki na makoki wana te. C'est la raison pour laquelle vous voyez, il était là. Qui n'a pas encore comment zaki wana? J'ai déjà annoncé aux gens que à 18h je vais devoir prêcher sur le premier saut. Seigneur, fais grâce. Oh, kolosalangolo. Seigneur, descend. Révèle-moi les premiers sauts. Et quand Dieu descendait, il lui révèle les premiers sauts. Branham prenait notre. Il prenait ce que Dieu a dit. Il retournait dans la Bible. Et il voyait chaque symbole par rapport à ce qui a été révélé. Et il venait devant le peuple avec un. Ainsi dit le Seigneur. Mais, la révélation des sceaux est ainsi dit le Seigneur. Je parle de la révélation des sceaux. Je ne parle pas de toute la brochure là, là où il présume, oh non, quand les sept honneurs vont ouvrir, ils vont me donner la foi de la lèvre. Je parle de la révélation des sceaux. Elle est ainsi dit le Seigneur. Il n'y a pas de spéculation possible là-bas.
Quand Branham dit, par la révélation donnée par Dieu, celui qui était sur l'esclavage, cheval blanc là, c'est l'Antichrist. C'est oui et amen. Ce n'est pas négociable. Ça ne peut même pas être modifié. Il faut le répéter comme il l'a dit là-bas. Même la semence du serpent est ainsi dit le Seigneur. C'est vrai. Solo. Quand Branham vient là-bas, il dit que le serpent a couché avec la femme. Tu dis c'est faux. Tu blasphèmes. C'est-à-dire, tu as dit que tu es un menteur. La Bible dit que tout homme soit reconnu pour menteur, mais que Dieu soit reconnu pour vrai. Le menteur, c'est le diable. Il est menteur et père du mensonge. Mais Dieu est vrai. Et la vérité sort de sa bouche. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David, a vaincu Alongi pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux. La corne c'est le pouvoir et les yeux ce sont les voyants. C'est-à-dire, les sept messagers de cet âge de l'église. Et les cornes là, ce sont les sept églises. C'est que l'église tout au long des âges était sous le pouvoir de l'agneau. Et il dit, tout pouvoir m'a été donné. Dans le ciel et sur la terre. Et dans cette église-là, pendant les sept périodes par lesquelles l'église devait traverser, Dieu devait envoyer sept yeux. Qui sont ces sept yeux-là? Les sept messagers. À commencer par Paul jusqu'à Branham. Ils font partie de ces sept yeux-là. Paul, Paulo, Irénée, Martin, Colomba, Luther, Wesley, Branham. Branham était le tout dernier. Branham était le tout dernier. De ces sept yeux-là. Frère Branham était l'œil de Dieu pour ces temps. Branham était qui liste dans un peu pour la tango. C'est cet œil-là qui a lu pour nous Vicarius Filii Dei. C'est cet œil-là qui a lu pour nous l'image de la bête pour dire que c'est l'œcuménisme. La Confédération mondiale des églises. C'est l'œil de Dieu qui a lu ça. C'est l'œil de Dieu qui a dit que la moralité de la femme se dégradera. Jusqu'à ce que la femme portera seulement une feuille de figuier. Kino, moi ça colata car le quoi, le casaya et mon souké. C'est l'œil de Dieu qui nous a lu que la Russie c'est le roi du Nord. L'isolanta mende le bain de souhaiter Lucie ande Nkumu yali Kolokuna. C'est l'œil de Dieu qui nous a lu que les États-Unis c'est la bête qui monte la terre. L'isolanta mende le bain de souhaiter États-Unis de Nyamaza Kobiwana Mabele. C'est l'œil de Dieu qui nous a lu que l'Union européenne c'est la bête qui monte la mer. L'isolanta mende le bain de souhaiter Bosanga Namikina.
C'est l'un des gens qui nous a dit que le pape c'est l'antichrist. C'est l'un des gens qui nous a dit que les déliminations sont du diable. C'est l'un des gens qui nous a dit que l'église catholique c'est la grande Babylone. Et toutes les déliminations sont les filles de la prostituée. L'œil de Dieu nous a lu ça. Et la bouche de Dieu nous l'a proclamé. C'est vrai. Solo. Bien aimés frères et sœurs, nous sommes un peuple privilégié. Dieu nous a révélé son plan. Avec l'ouverture de cette soupe. Et ce mois de mars ici, ça fait 60 ans jour pour jour que les sceaux ont été révélés. Et au mois de juin, le 11 juin, ça fera 90 jours pour jour. Et depuis que Dieu avait dit, tu seras envoyé avec un message qui préparera la seconde venue. L'heure est très avancée. Et aujourd'hui, je vous parle. Ce message a atteint les extrémités de la terre. Qu'est-ce que nous attendons? Le retour du Seigneur. Et il vient dans cette génération. Frère, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous, nous serons changés. C'est dans cet âge que cette écriture s'accomplira. Remarquez, l'annonce qui est digne était destiné à faire paraître le parent rédempteur. Et ça, il m'a dit pour la cobimisa penza, tata mosiko tonde komosikoli. Et quand on a annoncé ça, on dit les lions de la tribu de Juda. Maintenant, au lieu que les lions apparaissent, c'est l'agneau qui apparaît. Moi, n'a pas tenu à mon ami. Pourquoi? Parce que la révélation de ce sceau se passe au temps de la grâce. Et au temps de la grâce, Jésus n'est pas le lion. Il est l'agneau. Mais quand la grâce se terminera, quand il y aura l'achèvement général, il deviendra le lion de la tribu de Juda. Et quand il descendra en Israël, il ne bêlera pas. Il ne dira pas mais. Il ne dira pas. Et quand un lion rugit quelque part ici, chacun prendra déjà des dispositions. Parce qu'il sait que bientôt je peux être dévoré. La Bible dit le lion a rugi, qui ne serait effrayé? Et quand il rugira, la grande tribulation commencera. Et il descendra pour effrayer les habitants de la terre. Et il frappe Père la terre de fléau. Gloire soit à Dieu. Quand il fait ça, l'épouse est au ciel. Nous ne serons pas là pour être effrayés. Nous sommes son épouse. Est-ce que vous comprenez, frère? Donc on a annoncé les lions. Mais l'agneau apparaît. Pourquoi? Parce que la révélation de ce livre scellé-là, la partie mystère, détenant la parole, c'est fait au temps de la fin, à la fin du temps de la grâce. Et cela a déjà eu lieu. Mais la partie contenant les noms, c'est entre les mains de Dieu. Dieu a pris ça le jour où Adam chutait. Est-ce que vous comprenez? Il a pris ça. Mais comme Jésus a vaincu en tant que parent rédempteur, quand l'intercession se terminera, il se pointera devant le Père. Il dit, j'ai déjà vaincu. J'ai déjà intercédé pour eux tous.
Maintenant, tu ne peux plus détenir ce titre. Il m'appartient. Parce que j'ai vaincu. Alors, je dois maintenant retourner sur la terre. Et quand il descendra, c'est Apocalypse 10. Il descendra comme l'ange puissant. Dans Apocalypse 10, il posera son pied droit sur la mer. Et son pied gauche sur la terre. Remarquez, il est belle. Mais il rugira comme il rugit un lion. Alors, les sept tonnerres feront entendre leur voix. Et là, quand il descend, il dit il n'y aura plus de délai. Ça signifie la rédemption est terminée. Maintenant, c'est la colère qui doit commencer. Est-ce que tout le monde a compris? Parce qu'à partir de sa descente là, jusqu'à la fin, avant que le millénaire commence, il restera 3 ans et demi. 3 ans et demi. Et la colère de Dieu éclatera. Et chacun se trouvera là où il a voulu être. Là où tu as choisi avec ton libre arbitre, c'est là que tu te trouveras. Frère, Dieu ne nous impose pas le salut. Le salut, c'est pour qui qu'on croit. C'est la vérité. Ne voyez-vous pas que nous étions ici de frères et sœurs? Et quand son temps arrive, il rentre dans le monde. Et vous la rencontrez en pantalon. Vous la trouvez en pantalon avec de rouge à lèvres, mais elle était ici. C'est librement qu'elle a fait son choix. C'est ton choix. Toi également qui es resté ici, c'est par c'est rapport à ton choix. C'est librement que tu as choisi d'être là. À la fin, chacun se trouvera là où il a voulu être. Mais restons vos yeux parce qu'ils voient. Vos oreilles sont heureuses parce qu'elles entendent. Vos cœurs sont bénis parce qu'ils reçoivent la parole. C'est la vérité. Voilà, mes belles et mes frères, l'importance de cette ouverture des seaux. L'arche de l'alliance est ouverte. Dieu nous a donné accès à toute la parole. Et cette parole influence notre vie. Celui qui a compris l'importance des seaux, sa vie sera conforme à la parole. Et quand elle influence notre vie, comme le Saint-Esprit suit la parole. Dès que la Sainte Parole entre dans nos cœurs, le Saint-Esprit viendra sceller la parole jusqu'au jour de la rédemption. Et au jour de la rédemption, tous ceux qui sont scellés, Dieu les enlèvera. Le jour d'enlèvement, Dieu viendra prendre ceux qui sont scellés. C'est pourquoi la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Le jour de la rédemption, c'est le jour où la première résurrection aura lieu. C'est le jour où la transmutation des vivants aura lieu. C'est le jour où le corruptible revêtira l'incorruptible. C'est le jour où le mortel revêtira l'immortel. C'est le jour où la mort sera engloutie dans la victoire. C'est le jour où vous et moi nous dirons à la mort, oh mort, où est ton aiguillon? Et quand les morts en Christ sortiront du tombeau, ils diront, oh tombe, où est ta victoire? C'est le jour où la pesanteur perdra sa force sur nous. La pesanteur nous attire parce que nous sommes dans un corps de chair. Mais le corps glorifié n'est pas attiré par la pesanteur. Mais ce jour de la rédemption,
corruption. Nous porterons un corps qui ne sera plus attiré par la pesanteur. Et nous partirons. Chez nous. Et pas une abysse. Où? Wapi. Dans la Nouvelle Jérusalem. Na Yerusalem Manasika. Chez nous, ce n'est pas au ciel. Et pas la Bible, c'est dans la terre. Au ciel, c'est pour séjourner. L'eau, les amis, pour tout l'examen. Chez nous, c'est dans la Nouvelle Jérusalem. Et pas la Bible, c'est dans Yerusalem et la Sika. La demeure future. Et fin de l'Oyandele. De l'épouse céleste. Y'a mon banane et l'Ola. Et de l'épouse terrestre. Y'a mon banane et y'a sé. Nous ne passerons pas l'éternité au ciel. Donc, les qui ça. Et y'a là, dans l'eau la terre. Au ciel, nous ferons 7 ans. Dans l'eau la terre, boule à sambo. Puis nous reviendrons sur la terre. Si malango te rejoins en assez. Parce que les cieux sont les cieux de l'éternel. Pote ma colonne, ma zanima colonne à Yahweh. Mais il a donné la terre au fils de l'homme. Ne, après si ma ben à moi, na moto. Na ban na bato. Na ban na bato. Ouais. Pas office. Na mona yebo kote. Bana. Bana na ba. Même toi. Attends kaipe. Tu es là dedans. Naza la kati. Tes soeurs, vous êtes là dedans. Bana koba si vous appelez la kati. Heureux les débonnaires. Et c'est moi ba sangi ma belle. Ils hériteront quoi? Ba ko sanga nini? La terre. Ma belle. Tellement mes soubattants dans la Bible étaient ba été hérités nini. Tellement que beaucoup ne lisent pas la Bible. Ne savent pas ce que ils vont hériter. Heureux les débonnaires. Et c'est moi ba sangi ma belle wana. Car ils hériteront. Bo ba ko sanga la nini? La terre. Ma belle. Depuis qu'Adam chutait. Outa Adam a loko kwa kweka. Et que Dieu a pris les livres. Le monde entier sous la puissance du malin. L'ouverture des sceaux, c'est un événement déclencheur qui arrivera jusqu'à ce que le Seigneur viendra réclamer maintenant l'héritage. Est-ce que vous comprenez? Bon, quoi, cela. Et ceux qui ont reçu le sceau ici, bah, avant l'enlèvement, yamolalinetwa, ils défieront même la nature. Mbako, bwaka, mondenge, atana, mokili. Ils parleront même à la montagne, à l'ongwana, kenekula. Mbako, batana, ngomba, ote, toi, de là. Et la montagne dira amen à la parole. Ngomba, kolba, bongo, na, liloba. En ce moment-là, frère, Natangwa, ndeko. Dieu exaucera les cieux, Mbako, yana, et les cieux exauceront la terre. Mbako, mbako, yana, na, nous commanderons la nature. Donc, et la nature obéira. Parce que nos âmes seront scellées. Les sceaux seront dans nos âmes. Et la puissance de la résurrection sera en nous, frère. Dans sa plénitude, nous commanderons. Même les parties du corps qui manquaient seront complétées. C'est la vérité, frère. Même les morts ressusciteront. Les paralytiques marcheront. Les aveugles verront. Les sourds parleront. Les muets entendront. Frère, ça secouera les morts. Et vous verrez de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et c'est Dieu lui-même qui manifestera cette différence parmi les vierges sages. C'est la vérité, frère. Et Dieu fera que les poux soient manifestés. Le monde entier comprendra. C'est nous la vraie Église. Jusque-là, on est dans la mêlée. Mais bientôt, l'épouse sera manifestée. Le monde entier saura que c'est nous. Frère, jour à l'Ibala, frère, le jour du mariage. Bah, si va vendre la et toutes ces femmes ici restent ici en bas. Moi, sur la marazobine, moi, c'est l'Ibala. La seule qui se met de vous et danse, c'est la femme. Moi, sur Miso Batino, c'est la gaza, moi, c'est l'Ibala. La femme sur laquelle les yeux de tous moi, sont braqués. C'est la femme mariée. La femme qui s'habille différemment des autres, c'est la femme du marié. Et avant l'enlèvement, l'épouse portera la robe de l'immortalité. Dieu l'amènera sur un lieu public. Et Dieu te rendra témoignage de cette épouse. Voici cette fois-ci celle qui est parole de ma parole, esprit de mon esprit. Et le monde entier le verra. Frère, nous entrons dans ce cycle-là. Mais avant ça, les sceaux sont ouverts. Nous avons accès à toute la parole. Aujourd'hui, personne ne peut plus vous prêcher encore des demi-vérités.
Aujourd'hui, on doit écouter toute la parole. On a accès à toute la vérité. Quand vous venez ici, c'est pour écouter toute la parole. Nous ne sommes plus dans l'âge pentecôtiste. Pour que quelqu'un vienne nous spécialiser dans les dons. Nous aimons les dons. Parce que ça fait partie de la parole. Mais on ne se spécialise pas sur ça. Nous ne sommes pas des pentecôtistes. Aujourd'hui, nous allons au-delà de ça. Oui, frère. C'est l'âge de la parole. Et il faut que l'épouse parole soit manifestée. Voilà la vérité, frère. Nous sommes arrivés dans la période la plus importante de toute l'histoire du salut. Et ce qui se fait maintenant, c'est ce qui nous connectera à la suite. Aujourd'hui, ceux qui n'ont pas reçu cette révélation des sceaux, Dieu ne scellera pas leur âme. Parce qu'il rejette ce que Dieu fait aujourd'hui. Parce que dans les sceaux, il y a tout. Tout. Même la parole. Même le Saint-Esprit. Tout est là-dedans. Tu rejettes ça. Tu te mets à côté. Mais grâce à Dieu, nous avons toute la révélation. Sauf ce qu'on dit le Saint-Tonnerre. Ça. Si quelqu'un vous dit, c'est un aventurier. Azali motora maseki. Frère Balam dit, de comprendre ma lobby. Si quelqu'un dit qu'il connaît le tonnerre là, ceux qui m'ont lobby est à Ibiba Kake. Il s'aventure sans autorité. Il est Azali ko sa makamoyo azubo konzi nangote. Il n'a pas d'autorité. Azangi bokonzi. Personne ne connaît ce qu'on dit le tonnerre. Moto te ayebi o bakake samboyo ba. Frère Balam est allé dans la tombe connaissant pas ça. De comprendre ma kenna na lilita ayeba ka yangote. Toi tu as plus de révélations que Branham. Yo zoa et monte ko le ka Branham. C'est du mensonge. Personne ne connaît plus que Branham. Vous comprenez, frère? Frère Franck a été enseigné par Frère Branham. C'est ainsi que dans chaque prédication, il parle de Frère Branham. C'est la vérité. Solo. Donc, dites au Kélo là, jusqu'à ce que nous irons au ciel, il n'y aura pas un autre message que celui que Dieu a donné à Frère Branham. C'est le seul message qui prépare l'épouse à l'enlèvement. C'est ce que nous venons de vous prêcher ce soir. C'est seulement cette parole-là qui prépare l'épouse. Seulement ceux qui croient à ce message qui iront au ciel. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Que notre